Moi, c'est la grande classe. Ben, on, effectivement, ça fait la deuxième fois qu'on tourne avec l'ordi, là. Donc, on a tourné en 2016 avec eux. On a la grande chance qu'ils nous accueillent à nouveau cette année, donc en 2018. Ça fait aussi 6 semaines qu'on est déjà sur les routes. Donc, c'est avec eux. La grosse partie de la tournée est déjà bien derrière nous. Là, il nous reste une semaine, donc on en profite à fond. C'est les moments qu'on n'aime pas trop parce que les dernières semaines de tournée, on sait que c'est bientôt fini. Mais mis à part ça, c'est une tournée de fou, ça se passe super bien, c'est la grande classe. Non, mes habitudes, elles restent les mêmes, donc j'écoute beaucoup de musique, ça c'est sûr, ça me permet de m'évader un peu. Et pour cette tournée, c'est un peu spécial parce que je dois m'occuper justement des vidéos, des tour reports qu'on fait pour chaque date de concert. Et du coup, c'est une habitude qui me prend beaucoup de temps pendant la tournée. Ça veut dire le matin au réveil et parfois le soir après les concerts. Donc c'est devenu l'habitude de tourner, c'est de faire des vidéos maintenant. J'adore ça, c'est vraiment amusant. En plus, ça nous permet de voir des anecdotes, des choses qu'on aurait loupées pendant les dates, en fait. Et puis c'est toujours rigolo parce qu'il y a des choses qui reviennent. Et puis voilà, après, par rapport à la vidéo, je trouve que c'est vraiment génial. Ça nous permet de les regarder peut-être une année plus tard pour se remémorer ce qu'on a vécu tous ensemble. Et c'est vrai que c'est vraiment amusant, quoi. Oui, alors on a un nouveau batteur, donc Magma, qui est dans le groupe depuis 3 mois maintenant. Donc c'est du vrai bonheur, c'est un très très bon batteur qui joue vraiment tight. C'est vraiment la cerise sur le gâteau pour nous, à savoir que ben, je pense que musicalement on est vraiment bien maintenant. On est bien dedans, c'est régulier, c'est punchy. Et puis au niveau du personnage, Magma est quelqu'un de très simple, de humble, de sincère. Voilà, c'est vraiment un très très bon gars. Oui, alors actuellement on partage le bus avec un groupe suédois, Follow the Cypher, qui sont vraiment cool en fait, c'est de bonnes personnes aussi, on s'amuse bien. Donc là on est à 14 voire 15 dans un bus. Donc la cohabitation se fait, mais c'est pas toujours évident, mais tout se passe bien, ils sont géniaux et puis on est content de partager la tournée avec eux. J'ai perdu des affaires, oui, mes lunettes de soleil, mais ma tour manageuse les a retrouvées. Alors celui que je préfère jouer sur scène, ce sera sans contester The Calling. C'est un morceau qui est très dynamique, qui a plusieurs facettes. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup jouer parce qu'il me permet de me dépenser différemment, de mettre une énergie que je ne mets pas forcément sur les autres morceaux. Et techniquement, c'est un morceau aussi qui n'est pas facile, où il faut vraiment être bien dedans. Et puis de combiner énergie et précision sur un morceau comme ça, c'est un beau challenge pour moi. Et c'est vrai que voilà, The Calling sur scène, c'est vraiment bien. Après, si je dois sélectionner un morceau vraiment qui me plaît de l'album, ce sera sans contester This War Is Not Mine, qui est entre guillemets le morceau calme de l'album. C'est un morceau qui est très prenant, qui est très touchant. Ouais, il me tire facilement les larmes en fin de morceau. Le solo de Lord Campbell à la fin est très prenant. Et le texte me semblait bien actuel aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc je dirais This War Is Not Mine. Hug You Hardcore, et une deuxième qui font là pendant la tournée, c'est What the Hell Out of You. Oh,
ça. Je mélange la fécule avec le fromage. Tiny Pistol, c'est le roi de la fondue. Ouais, c'est trop bien. Alors c'est une puis avec une, fondue, avec une fondue pareille en plus. Vacherin, un fribourgeois. T'as de quoi faire. Connaisseur, le père. Ça va être bon. Puis c'est droit l'heure parfaite pour une fondue. Minuit. Tip top. À part skier toute la journée. To have. Et c'est parti. Comment ça marche? T'as celle-là, on l'a attendue, hein. Merci le grillé. Ah, super bonne. Il y a un goût de Suisse autour de ça. On ramène, ouais, on ramène un petit peu de Suisse à Budapest. On y a déjà allé, il y a 2 ans. Exact. Super sale. Ils ont raison. On a toujours raison. Tout le temps. Toujours raison. Toujours raison. Toujours. Passe le message à Cendrillon. À mon avis, Lord Campbell est passé par là. Une fois, un jour ou un autre. Il est partout. Un petit peu peur quand on éteint la lumière. Tu veux que je laisse une petite lampette? Tu veux que je laisse un petit quelque chose? Ouais. Tu veux que je te raconte l'histoire du petit garçon? Ouais. Qui se promène dans la forêt. Qui se fait tuer, égorgé? Mais non, pas celle-là. Ah. Bon, ça tient mal le sein. Maintenant, tu te tais et puis t'arrêtes. Tu vas dormir. Non. S'il te plaît. Bah, ne me laisse pas dans l'armoire. Non. Ça marche pas. Non. Ah. Ah. Non. Oh. Les nuits, les petits. Dormez bien. Il veut reculer, celui-là. Eh ben, faut tout. C'est bien, hein. Oh, de là, je pense que c'est la meilleure personne pour nous dire ce qui nous arrive. Alors, je me suis trompée d'adresse pour commander les taxis. Du coup, on n'a pas atterri au bon endroit. Donc, on va recommander des taxis pour cette fois aller à la bonne adresse. Super. On n'est pas dans la merde, hein. Non, on est foutu. Perdu à Budapest, pas de concert ce soir.